ذلك مهلا. Tu as pris ton temps. As-tu attendu, maître ? Je n'attends personne. Tu as l'air fatigué. Une petite aventure me remettra d'aplomb. Quelles sont les nouvelles ? Ali pense que le moment est venu d'attaquer le palais. Les Ouyun sont distraits, et la population partagée. Comment ça, partagée ? Certains affirment que le nouveau calife a volé le trône à Abu Abdallah, fils d'Al-Mutawakil. Que sais-tu de lui ? Peu de choses. Il était au palais la nuit où son père... La nuit où j'ai plongé la main dans ce coffre. Maître, en savons-nous plus sur l'objet qu'il contenait ? Pourquoi demandes-tu ? Je trouve dommage que l'on en sache aussi peu sur une chose que l'ordre convoitait autant. Ne devrions-nous pas chercher à mieux connaître nos ennemis, pour mieux les vaincre ? Mahaban Basim, je vous ai interrompu. Loin de là. Nous allions aborder notre prochaine tâche. Bien sûr, Abu Abdallah. Rebecca m'a dit que tu avais rencontré sa mère, Kabiha. En effet. Je pense qu'elle pourrait être à la tête de nos ennemis. Elle, ou Harib la poétesse, ou Mohammed le gouverneur. Tous les trois avaient des liens avec nos adversaires. Mohammed ibn Tahir. Ses cousins dirigent la contrée où se trouve Alamut. Leur protection est notre seul bouclier contre nos ennemis. J'ai coupé les jambes de l'ennemi, maître. Laisse-moi frapper tant que saignent ses moignons. Je le démasquerai et découvrirai ses intentions. Basim a raison. Nous devons agir vite. Va dans la ville ronde, Basim. Enquête sur les trois, mais sans agir. Ensuite, viens me rendre compte au sommet de la maison du sceau privé. Votre affamé n'a pas d'oreille. Si tu cherches de quoi manger, consulte le panneau. Une poétesse, un dirigeant et une concubine. Je saurai bientôt qui porte le masque. Foulad, mon chasseur d'informations et maître des questions. Que puis-je pour toi, Basim ? Parle-moi d'Harib. Ces mots semblaient relever du dogme pour les membres de l'Ordre. C'est à son talent qu'Harib, artiste poétesse renommée, doit sa liberté. Selon Tabid, elle habite une luxueuse maison de la ville ronde. Une autre question ? Que sais-tu sur Kabiha ? Elle avait des liens avec le trésorier. Née esclave, Kabiha est devenue la concubine préférée d'Al-Mutawakil au harem. Mais son fils n'étant pas devenu calife, son avenir est incertain. Une autre question ? Parle-moi du gouverneur. Je l'ai vu donner des ordres à Wasif al-Turki. Mohammed fait partie des Tahirides, de très puissants vice-rois du calife en Perse. Il dirige tout Bagdad depuis son siège au tribunal. Une autre question ? Nos suspects, où vais-je les trouver ? Tous les trois habitent dans la glorieuse ville ronde, le centre du pouvoir du califat abbasside. Une autre question ? Shukran Foulad. –
Sois mes yeux, Enkidu. Quelle belle demeure. Bien différente des masures d'Anbar. Espérons qu'elle soit chez elle. Je suis à l'épicine. Tu ne m'éloigneras pas de mes invités. C'est ma maison. Financée par ma générosité. Financée par mon génie. Pour les gages, faveurs et autres dédicaces, tu trouveras Saïda Harib dans le jardin après le récital. Adieu. Tu dois être son mécène. C'est un honneur, Sayyidi. Si je peux me permettre, je sollicite une audience auprès de la poétesse. Vraiment? J'ai été ému au plus profond de mon être par ces... mots. Sa symétrie du ciel et de la mer... Je veux seulement lui témoigner ma plus sincère admiration. De jolies paroles. Presque autant que les siennes. Et tout aussi fausses. Nous savons tous les deux quel masque elle porte, non? Un masque, Sayyidi? Assez de Sayyidi! Je sais qui tu es et pourquoi tu es là. Tu crois que je ne t'ai pas vu, là, à rôder dans l'ombre? Elle ne prendra plus part à vos intrigues. Vos rendez-vous secrets, vos surnoms stupides. Je l'en ai éloigné et pour toujours. Devant sa porte, une garde a été postée. Mes hommes surveillent ses récitals et j'ai déchiré ou renvoyé chacune de tes lettres. Renvoyé, tu dis? Va donc les chercher au bureau du courrier. Brûle-les, enterre-les, fais-en bien ce que tu voudras. Même t'étouffer avec. Surnom stupide, rendez-vous secret. Le mécène a dû me prendre pour un membre de l'ordre des anciens. Le tas de lettres au bureau du courrier m'en dira peut-être plus. Parfait. Voyons quel masque tu portes, poétesse. Le bureau du courrier. Arrière. Je vais faire comme les Ouyou. Fouiller les lettres d'inconnus à la recherche de complots. Il doit y avoir du courrier de tous les coins du califat. Reste à trouver celui d'Arib. Tu crois pouvoir te cacher encore longtemps? Damnation! Bon sang! Non, tu es à moi maintenant! Oh.
Très cher Harib, ta poésie m'a touché au cœur. Tu es mon oasis, luxuriante, aux fruits gorgés de... Oh, my God, cut off. Fais taire tes vilains champs de déchets ou je le ferai de mes mains. Sympathique. Bon, ensuite. Une fois que le miel a coulé de ses lèvres, Thalab quitte le jardin et suit la souris. Correspondance secrète de l'ordre, mauvaise poésie, ou un peu des deux. Harib serait-elle à Thalab? Le mécène a parlé d'un récital dans les jardins. Je pourrais peut-être donner cette lettre à Harib et voir où me mène la renarde. Je vais aller dans les jardins, remettre sa lettre à Thalab et voir où elle se rend. Rage de l'océan. J'apaise. Brûlure du désert. Que tu sois océan. Désert. Cobra. Colombe. Chaque forme et humeur. J'étreindrai. Bonjour. Nous nous connaissons? Approche, ne sois pas timide. Je mords rarement et je ne laisse jamais de marque. Apparemment, nul n'échappe au regard du public. Comment es-tu tombé sur cette lettre? Qui t'a chargé de ça? J'agis dans l'ombre pour servir la lumière. J'ai rencontré ceux qui servent la lumière. Il semble que son éclat les aveugle. Tes maîtres sont-ils si obtus et maladroits? Je t'avais prévenu, fils de chien! Viens, Harib. Ne donnons pas aux langues l'occasion de jaser. Si seulement ta langue cessait de s'agiter lorsque j'implore le silence. Tu oses repousser le conseil de celui qui t'a élevé et sans qui tu ne serais rien? Je me suis élevée seule. J'ai écrit seule. Et seule, je suis entrée dans l'histoire. Je te chasse de mes pages. Va et disparais! Comment pourrais-je te laisser à des loups tels que lui? Tu es une femme, seule et désarmée. Les mots sont pour moi des armes suffisantes. Alors voyons quelle défense il t'apporte. Saisis cela! La Sayeda est attendue quelque part. Tu la retardes. Apparemment, les mots font apparaître des boucliers. Nous allons devoir faire ça vite. Encore une fois! C'est l'heure de se tuer! Allez, fais ça, mes chiens! Comme le cobra. Mais plonge en mon sein. Que tu sois... Bonjour. Comme... T'es mes mains. Je me suis... Comme... Les... Alors... La... À... Nous... Alors, faites dessus. Damnation. Ah!
Harib est parti à son rendez-vous secret. Je dois me dépêcher. La lettre ordonnait à Tharlab de quitter le jardin et de suivre la souris. Peut-être n'ai-je pas encore perdu Harib. Observe bien. Garde! La vermine se promène impunément dans nos rues! Pas très ressemblant. Tu devrais le traîner devant les Mazalim. Mais il ne pense qu'à ma réputation, Sarah. Pour assurer le succès, je dois être aimable, discrète. Il craint que j'aie trop d'orgueil. Oh, toi ? Jamais. J'écris que l'amour est sauvage et libre, au-delà de la bienséance. Ne dois-je pas pratiquer ce que j'écris ? La perfection est dans la pratique, mais elle attire des ennemis. Je te l'accorde, mais laisse-moi les choisir. Courtisans, califes, mécènes, amants, tant d'hommes ont voulu choisir mes ennemis et mes amis. Mais Allah sait qu'il m'est arrivé de mal choisir. Il s'est bien caché. Et une poétesse a besoin de mécènes, même quand elle est Al-Talab. Eh bien, j'ai fait mon choix. Parfait. Alors des temps agités nous attendent. Cela ira. J'ai survécu à 6 califes. Je survivrai... À 6 autres. Ne t'en fais pas, Sarah. J'embrasse les bagues qu'il faut embrasser. Mais je ne me laisserai plus posséder. Par qui que ce soit. Rendez-vous secret. Nom de code. Aucune trace de l'ordre ici. Et pourtant... Elle ne manque pas de mécènes. Peut-être que le chef de l'ordre n'est pas Harib en personne, mais un admirateur.